Eh bien salut à tous, deuxième épisode de la carrière suivie avec l'OL en mode CFA réserve. Donc voilà, on continue tranquillement la suite de la carrière. On va commencer directement avec les entraînements avant ce gros choc, ce gros match contre le Paris Saint-Germain. Donc je vais simuler les entraînements et puis après je vais ouvrir une petite parenthèse. Darpino qui passe à 63 et Diakabi à 61, Kaloulou à un petit A, ouais ça fait super plaisir tout ça. Donc avant toute chose, on va se poser 2 minutes, on va poser la manette et on va penser, on va faire une minute de silence pour l'événement qui s'est passé dans la nuit du 14 juillet. Donc voilà, à l'heure actuelle, on est le lendemain, le 15 tout simplement. Donc c'est atroce, encore une fois, bon, ça se répète, c'est répétitif, c'est sans arrêt. Donc que ça soit en France ou ailleurs, parce que vous allez dire, ah oui, mais tu fais hommage que quand c'est en France, et du coup, c'est-à-dire que tu penses pas quand c'est en Turquie, quand c'est à Bagdad, quand c'est aux États-Unis, n'importe où. Si, 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 si. Les horreurs, elles sont de partout, elles sont répétées tout le temps. Il y en a tous les jours des horreurs dans tout le monde entier, que ce soit attentat ou pas attentat, parce qu'il y a aussi des bébés qui se font tuer, il y a aussi des femmes qui se font violer, etc. Donc les attentats, pour moi, même si, bon, l'État islamique, c'est différent. Il y a quand même des atrocités de partout. Donc voilà, c'est en quelque sorte, voilà, pour remettre un petit peu les choses à leur place, parce que certains se disent, ah bah du moment que c'est pas attentat, c'est pas grave. Donc non non non, il se passe plein de choses aussi. Donc voilà, c'est le monde est fait de ça, malheureusement c'est comme ça. Et puis bizarrement, avant, quand ça touchait que les pays style Syrie, Afghanistan, truc et tout, nous on était pépère dans notre coin et on disait rien, on disait oh ouais, mais de toute façon c'est les pays en guerre, c'est les pays qui se tapent entre eux, qui se continuent à se taper entre eux, et puis nous on continue notre train de vie, on s'en fout un petit peu. Et l'être humain est comme ça en fait, l'être humain est un petit peu égoïste. Et bon, après, on peut toujours se dire que c'est malheureux pour eux, truc et tout, mais en attendant, nous après, voilà. Mais par contre, quand ça arrive sur notre terre, c'est un petit peu différent, parce qu'on se dit, ça se rapproche un peu là, ça devient un peu chaud, et là on commence à se remettre en question. Donc bref, ça n'exclut pas qu'il y a eu pas mal de victimes et qu'il faut respecter tout ça. Donc petite minute de silence pour tout ça, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette vidéo. Voilà, donc voilà, j'ai fait la petite minute de silence. J'espère que vous avez joué le jeu vous aussi. Ça aurait été sympa de pouvoir jouer le jeu ensemble et rester 1 minute de silence pour respecter les victimes. Parce que bon, on peut dénoncer, on peut critiquer pas mal de choses. On va quand même respecter les gens qui sont passés par là. Donc ça, c'est quand même la moindre des choses, même si bon, je continuerai toujours à dénoncer le gouvernement et la façon dans laquelle on est gouverné. Bref, on a un rapport mensuel, on va revenir au gameplay. Certains vont me demander pourquoi je fais des vidéos, pourquoi je continue, truc et tout. Tout simplement parce que c'est un divertissement, et un divertissement permet de se faire plaisir. Et donc d'éviter toutes sortes de trucs chiants et de trucs qui te remettent dans la tête, parce que de toute façon, on a bien vu que les attentats, on peut plus les éviter. On est dans l'insécurité, voilà, faut pas se le cacher. Mais bon, ça ne sert à rien de continuer à regarder des infos et continuer à se faire peur sans arrêt, alors qu'on a une vie à faire. Et peu importe, et écoutez, les animaux eux aussi, hein, ils ont des dangers quotidiens face à eux, et pour l'instant, ils continuent leur vie.
et dans la paix, dans l'amour avec, avec leurs proches et parfois le plaisir. Alors que bon, il y en a, pas tous les animaux sont conscients du plaisir, mais bon, il y en a, ils le sont. Donc voilà, bref. Donc rapport mensuel, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Eh, c'est pas top, hein. Ah, on a un petit Ryan Mocho, en plus, même nom de famille que Lucas Mocho, gardien de Lyon. Donc voilà, lui, on va recruter, je pense. Et puis les autres, on va laisser ouais, à superviser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tout ça, tout ce qui se passe. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre match. Alors je vais quand même rester dans la bonne humeur, hein, voilà, quand même, parce que moi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de me faire plaisir. Donc je respecte quand même ce qui se passe, voilà. Je suis quand même conscient et ça me touche quand même ce qui se passe, mais quand même je veux pouvoir me faire plaisir et pouvoir faire quelques dissociations de temps en temps. Voilà, et puis je pense aussi à vous, à tout le monde, et je pense que le plus grand bien qu'on peut avoir, c'est justement de se divertir, et moi je suis là pour vous divertir, mes vidéos sont là pour vous divertir, donc ça peut vous faire changer les idées un petit peu de tout ce monde néfaste. Donc, on va avoir un gros gros match contre le Paris Saint-Germain. Là, c'est l'épisode, on se concentre sur l'épisode. On a eu pas mal d'augmentations, il y aura un rapport d'équipe en fin de vidéo et c'est parti, let's go pour ce trophée des champions. Bon allez, c'est parti, le trophée des champions comme chaque saison. Et là, c'est vraiment un gros gros choc avec notre petite équipe de CFA, on va bien voir ce que ça donne. On espère faire bonne figure. Franchement, si on arrive déjà à s'imposer ou faire un gros match, c'est que déjà, ça peut prétendre à une bonne saison. Donc voilà, on est parti pour les meilleurs moments. Et bien sûr, en difficulté légende. Allez, peut-être une première frappe. Ah, dommage. Allez, allez. Attention, Verratti. Ouais, ça va décaler. Ça va décaler, on le savait. Ouf, le poteau. Ouh là là là, dès la quatrième minute. Ah, je vais même mettre en ultra def parce que là, c'est très très chaud. Attention, Verratti. Attention, Verratti. Et l'ouverture du score. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est tout sauf ça qu'il fallait faire parce que je pensais qu'on pouvait résister, mais finalement, non. On peut pas faire le forcing en défense, donc tant pis. On va devoir se livrer en attaque. Ouais, super ça. Allez, Kaloulou. Ah oui. Oh là là, la parade de Kevin Trapp et ça sera un premier corner. Allez, allez. Ah, on réagit vite là. Allez, les corners, c'est notre arme. Ouh là 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 là, c'est dégagé. Ah, il n'y a plus de gardien? Y'a plus de gardien! Mais oui, l'égalisation, les gens! Yes, les gars! Enfin, les gens, les meufs, les n'importe quoi. Il y a peut-être tout le monde qui regarde. Donc voilà. Ça fait super plaisir. Bon, c'est pas un long shot, mais Kevin Trapp, il a fait une Kevin Trapp. Alors, est-ce que c'est pour Kevin Trapp, ça? Non. Non, mais bon. Inspiré, pas grave. Tout simplement. Et donc voilà. Un partout. Ouh, on est là. Ouais, bon ballon dans la profondeur. Pour Aldo Kaloulou. Allez, Kaloulou. La petite passe. Ah, ouais, mais il y a le retour de Thiago Silva. C'était compliqué. Bon, allez, coup franc avant la mi-temps. Faut bien le déposer, même si bon, il y a des bons défenseurs. Ah, ouais, c'est pas très bien joué. Allez, la frappe de loin. Ouais. On va essayer avec des solutions comme ça, hein, comme des frappes de loin ou des coups de pied arrêtés, parce que là c'est vrai que la défense du PSG est très très bien en place. Aïe aïe aïe, Verratti, ah, le bon décalage. Ah, super Diakabi, allez, allez Diakabi. Ah, ça sera un corner, mais bon, c'est bien défendu quand même de sa part. Attention le corner juste avant la mi-temps. D'André Di Maria. Attention, c'est parti, deuxième poteau. Ouais, on va dégager. On va pas se prendre la tête là. Mi-temps, un partout, c'est très très chaud, c'est très très chaud, franchement. Ah ouais, c'est tendu, c'est vraiment tendu, mais bon, on arrive à tenir pour l'instant. On va rester en défensif, je pense, parce que là, c'est vraiment très tendu. Ouais, le relais. Allez. Allez. Ah oui. Allez, Martela. Allez, il faut y aller. Oh là 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 là, le retour, ouais. Par contre, problème, c'est que dès qu'on passe, dès qu'on arrive à trouver une ligne, il y en a une autre qui se ferme à nous.
Ça qui est très difficile. Oh oui, le décalage avec Onganda et oh la parade! Oh magnifique Grange! Quel arrêt réflexe! Oh là là, il nous sauve! Alors qu'il y a Zlatan qui est rentré. Aïe aïe aïe! C'est chaud. Attention, ce centre! Il y aura Zlatan! Ouais, ça va. Et oui, Zlatan encore! Oh là 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 là, la mauvaise relance! Mais non! Ah, c'est idiot ça! Non, pas sur une relance! Super Gaspard! Super! Anticipation de Gaspard! Ouais, bon ballon! Allez, Gaspard! Allez, il est pas fini ce match! Oui! Allez! Oh non! Pourquoi il a pas tiré? Allez, tire! Oh là là, quel loulou! Non! Ah, il a bouffé la feuille! Voilà, ça écarte de l'autre côté avec Evans. Allez, faut centrer. Faute. Penalty. Non. Coup franc. Qu'est-ce qu'il y a? Carton jaune pour Di Maria. Oh là là, on va avoir un très bon coup franc. Ah, je vais le tirer à deux. Je vais le tirer à deux. C'est plus prudent. Allez. Oh là là, la parade de trappe. C'est pas fini. Fekir. Fekir. En retrait. Allez, aïe 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 aïe, elle est totalement ratée cette frappe. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va, tant pis, passer en ultra off. On va tout tenter là. Super. Allez, c'est la dernière. C'est vraiment la dernière ce coup-ci. Allez. Oh non! Aïe aïe aïe, j'ai raté. Oh, c'est pas fini. Allez, fais-moi un appel du con. Oh non, pourquoi il m'a pas fait un appel? Ah, il y a trop de déchets avec l'équipe, ouais. Malheureusement. Ce sera fini. Ouais. Victoire du PSG, 2 buts à 1. Mais franchement, on n'aura pas démérité dans cette rencontre. Malheureusement, regardez-moi ça. On n'aura vraiment pas démérité. Mais bon, sur une grosse erreur de relance, en plus, c'est par pulsion. J'ai vite appuyé pour le gardien et il a relancé super vite. Et donc, on a pris ce deuxième but. Donc voilà, à des erreurs comme ça paye cash contre le PSG ou le genre d'équipe comme ça, surtout en difficulté légende. Donc voilà. Mais bon, ça prévoit quand même une belle saison parce que de pouvoir tenir le PSG, c'est quand même une bonne nouvelle pour la suite. Et on espère pouvoir se maintenir en Ligue 1 et pourquoi pas faire mieux. Accrocher une belle place. En tout cas, on va continuer en faisant un match contre Lorient avec l'équipe type, bien sûr, hein, parce que l'équipe est en forme. Donc c'est parti. Let's go pour ce deuxième match contre Lorient. Ouverture de la Ligue 1 contre Lorient à domicile. Donc vous le savez, on a le Stade Gerland. De toute façon, à la base, on n'avait pas le choix. Il n'y a que le Stade Gerland. Mais bon, c'est réaliste aussi, vu que la CFA, enfin la réserve de l'OL, joue maintenant au Stade Gerland depuis. Le Stade des Lumières. Donc voilà, en espérant pouvoir débuter la Ligue 1 sur de bonnes rails. Avec ouais, une première récupération de Diakabi. Très très fort ce Diakabi. Gaspard aussi m'a fait un gros match contre le PSG. Allez, allez. Attention, le décalage. Ça c'est bien fait. Ouais, ça joue bien en une touche là. Avec Magic Waris. La frappe détournée par Grange. Bien joué, gardien. Attention, c'est chaud. Là 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 là. Ouh là là. Ouh, le sauvetage de Diakabi exceptionnel, heureusement. Super, super, super. Ah oui, parfait. Ah oui, parfait ça. Allez, fini. Allez. Oh là là, la double parade, c'est pas possible. Attention, ouais, ça combine bien. Oh là là. Heureusement qu'il est là, mon Grange. Vraiment, il me fait des très très bons matchs. Il progresse vraiment, hein. On verra le rapport d'équipe en fin d'épisode. Attention, ouais, ça va. Et la contre-attaque, peut-être. Avec Aldo Kalou. Il y a une solution de l'autre côté, on l'a vu. C'est Martela. Allez, allez. Voilà. Voilà, c'est parti. Avec Yacine Fekir. Allez, Yacine. Allez, Yacine. Allez, Yacine. Allez, ah, dommage. Ah. Vous avez vu, je commence à skiller un peu. Hein. Bien joué, ça. Bien joué. Allez, oui, bon ballon. Allez, Kaloulou, t'as vu le décalage pour Fekir? Allez, Fekir! Non! Pas le poteau, non! Oh là là, l'occasion juste avant la mi-temps. Ah, c'est dommage, on est pas mal dans cette première période. Même si c'est compliqué, hein, je vous l'avoue. Ça sera très difficile cette carrière, vraiment. Parce qu'on a vraiment des petits joueurs. Bon, après, ils ont un très gros potentiel.
Ouais, bien joué ça. Allez, allez, t'es parti. T'es parti, Fekir. Allez, Fekir. Allez, Fekir. Fekir. Aïe, 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 c'est trop sur le gardien. Je me suis un peu précipité, mais j'avais pas 10 000 solutions non plus. Allez, on pose le jeu, voilà. C'est bien fait. Fekir, il va trouver un appui. Allez, le décalage. Et Kaloulou! Oh là là, c'est à côté. Mais ça se rapproche. Allez, allez. Attention à la percée de Jouffre. Avec le centre à venir. Et la tête juste à côté, qui a été détournée par Gaspard, je crois. Ouais, ça sera un nouveau corner. Attention, ils ont été dangereux sur les corners. Ils ont eu une énorme occasion en première mi-temps. Et là, c'est détourné. Heureusement. Ah, le contrôle de Fekir, dommage. Allez. Allez, Timothée! Oh non, Timothée! Allez, 25 minutes pour arracher la victoire. Super ça. Ouais, bon ballon. Allez, Kaloulou. Oui. Allez, Fekir! Mais oui! Nabil Fekir qui débloque le match. Ouverture du score. Nabil, n'importe quoi. Yassine Fekir. Je me perds avec mes Fekir. Oh là 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 là, Kaloulou, la petite passe vicieuse. Et la finition de Yassine Fekir, même si bon, le compte. Et un peu fautif, on va repasser en défensif, faire quelques changements comme la Toussard, faire rentrer un petit Del Castillo et puis Bouchentouf à la place de Martola. C'est parti pour les 20 dernières minutes en espérant tenir ce score de 1-0 qui est vraiment très précieux. Allez, super la récupération de Timothée Cogna et la contre-attaque. La contre-attaque, ça peut bien partir avec Fekir, le départ de Kaloulou. Kaloulou, Kaloulou, il est éliminé. Et il va redonner pour Fekir. La tête de Fekir, ah, dommage. Mais il va y avoir un corner. Et on sait qu'on est dangereux sur les corners. Avec Timothée Cogna. Oh, il est tout seul. Oh, elle était contrée. Nouveau corner. Non, non, non. Oh là là, l'interception de Rafael Guerreiro. Et l'arrêt une nouvelle fois de Grange. On va sauver le corner. Ouais, super. Ouais, tout ça, bien joué. Ah oui, il est passé Kaloulou, avec un peu de chat. Ah oui, Kaloulou, allez le deuxième, allez le deuxième. Non! Mais c'est pas possible les poteaux. Allez, siffle, mais oui, la victoire, la première victoire dans notre championnat. 1-0, qu'est-ce qu'elle est précieuse, mais qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Belle victoire, franchement, je pense que c'est mérité. On a fait deux poteaux, on a eu pas mal d'occasions, même si bon, Lorient, ils nous ont mis en danger quelques fois. Et on a eu un Grange très solide, très, très bon ce Grange. Voilà. Donc, on va faire les petits entraînements et passer à un troisième match, puisqu'on a au moins trois matchs par vidéo. Fekir qui passe à 63, Darpino à 64. Ouais, ça augmente vraiment bien. Là, ils ont que des bonnes notes. Donc, ça fait super plaisir. Ils augmentent très, très vite. On fera bien sûr le rapport d'équipe en fin d'épisode. Match contre Guingamp, je ne sais pas si je vais pouvoir faire un quatrième match, mais en tout cas, au moins. Un troisième rapport d'équipe, on va regarder un petit peu vite fait. Ouais, c'est pas super pour le moment. J'espère avoir un meilleur rapport après. Ouais, là non plus, c'est bof. Bon, on va les garder parce que bon, ils ont que 15 ans. Allez, deuxième match contre l'En Avant Guingamp à l'extérieur. Ça va pas être facile. On va faire un petit peu de changement. Ouais, et puis on est parti comme ça. Let's go. Troisième match de la vidéo contre l'En Avant Guingamp à l'extérieur. Donc voilà, match à l'extérieur, ça va pas être facile une nouvelle fois. De toute façon, tous les matchs seront tendus, tous les matchs seront difficiles. Donc voilà, il faut s'y attendre. Maintenant, il va falloir faire le taf et faire comme à Lorient, s'imposer. Super Diakabi, c'est l'un de mes piliers. Attention, ouais, bon ballon pour Jimmy Briand, ancien Lyonnais. Ouh là là, Ibaka qui était pas loin d'ouvrir le score. Ouais, ça c'était bien joué, bon mouvement collectif. Allez, allez dans l'axe. Ah, j'arrive pas à lui donner. Si, je vais lui donner. Et le décalage pour Kaloulou. Allez, oui, poteau rentrant. Et on aura fait pas mal de poteaux dans cet épisode. Mais on marque, on ouvre le score. Oh là 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 là, on fait une bonne opération pour l'instant. Super, Emans. Oh là 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 là. Oh là là, énorme, Emans. Ouais, allez, ça décale bien. Allez, allez. Oui, on a bien joué dans l'appel avec Kaloulou. Allez, Kaloulou, pour le deuxième. Oh non, le poteau. Oh là 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 là, c'est pas possible, ces poteaux. Attention. Attention, le décalage. Ouais, ça c'est bien fait. Il y a du monde au centre. Je pouvais pas défendre. Oh, attention. Ouais, l'égalisation. Ouais, c'est bien joué de Yanis Salibur. Ouais, ça fait un partout. Allez, allez, c'est pas grave.
Ouais, bon, ballon d'un profondeur. Allez, Yacine Fekir. Fekir, il a fait la diff. Il va frapper, ouais. Allez, 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 c'est pas grave. Allez, on y va. On a les occasions, on continue. Attention, non, 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 non. Yakabi, on le pousse pas comme ça. Oh! Comment il est passé là? Non! Oh non! Mais c'est pas possible! Comment ils sont passés là? Ah, oh, c'est dégueulasse! Ah, oh, j'avais bien défendu en plus deux fois! Oh là là! Ah, juste avant la mi-temps, ah, ils font le hold-up. Hein. Vraiment, ils font un hold-up. Parce que on va regarder les stats. Ouais. Un petit kita là. Ouais, et puis après, on verra pour le reste. C'est la machine hein, à côté de moi qui fait du bruit. Je suis désolé pour le bruit. Donc voilà, on est parti pour les meilleurs moments de cette seconde période en espérant revenir. Allez, il y a la place. Ouais, de l'autre côté. Allez, tout ça. Super ça. Allez, on a vu encore. Allez, tu frappes. Oh là là, la parade de Samassa. Allez, allez. Premier corner. Ouais, Konya, c'est pas trop mal tiré. Ah, dommage. Allez, allez, bats-toi. Ouais, il n'y a plus de gardien. Le lob. Oh oui, oh non. Oh, je la voyais parfaite. Tiens, Loulou. Aïe, aïe. Ah, c'est pas fini. Allez, la tête. Oh non, elle était contrée, ça serait un corner. Allez, allez. Ah putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Une erreur est survenue dans l'application. Oh là là là. Ça faisait un moment, ça faisait un très long moment que c'était pas arrivé. Voilà, une erreur est survenue sur le jeu. Donc je vais devoir recommencer le jeu et puis on se retrouve dès que je l'ai recommencé. Voilà, enfin on est reparti sur le jeu. Je pense que du coup on va devoir ouais, continuer carrière. Parce que si je fais charger, non, je pense pas que ça va. Ouais, je vais faire continuer de toute façon. Je pense que le match contre Guingamp a été supprimé. Enfin, a été annulé. Du coup, tant pis. C'est revenu où là? Ah ouais, c'est revenu carrément là. J'avais pas une sauvegarde avant. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça va faire qu'on va recommencer les entraînements. Bon, je vais faire tout ce qui est paperasse, tout ce qui est entraînement, tout ça. Et puis, on se retrouve pour le match à nouveau, une nouvelle fois. Voilà, donc on a le rapport mensuel. C'est vrai, du coup, il est revenu. Donc, peut-être qu'on aura des meilleurs joueurs de ce que j'ai eu juste avant. Non, ça, c'est bof. Ça, c'est bof. Ça aussi, bon. On verra ça après. Le deuxième. Ah, là, c'est déjà un peu mieux. Paulino, 15 ans. Ah, il y a deux joueurs là qui sont intéressants. Enfin, surtout lui, Paulinho. Et ben, on va le recruter, tiens. Oh. Non, on va continuer la mission. De toute façon, ils seront supervisés un peu plus. Ça nous permettra d'avoir un peu plus de détails sur eux. Bon, on va enfin pouvoir enchaîner notre deuxième match de championnat. Donc, notre troisième de la vidéo. Je vais essayer d'en faire pas mal de matchs. Donc, on va remettre l'effectif comme j'avais tourné. Voilà, comme ceci. En sachant qu'il y a pas mal de progression là de mes joueurs, c'est intéressant. Ils progressent très vite, vu que c'est l'équipe réserve, c'est un centre de formation. Forcément, c'est des jeunes pépites. Donc, c'est parti, let's go pour enfin un nouveau match contre Guingamp. Bon, en espérant que ça se passe mieux là ce coup-ci, parce qu'on était mené 2-1, je vous rappelle. Voilà, on va essayer de s'imposer. On avait fait deux poteaux en première mi-temps. Espérons que ça aille mieux du côté de la finition. C'est parti. Super, la récupération. Oh, ça joue dans les petits espaces là. Allez, Fekir, il va falloir décaler. Voilà, sur Bouchentouf. Allez, Bouchentouf. Pour Fekir. Ah, dommage, c'est pas fini. C'est pas fini. Allez, allez. Allez, Konya. Konya, petit ballon. Allez, oui, tu le remets? Oh non, dommage, l'occasion. Oh là là, la récupération haute. Et Fekir, dommage, il n'a pas pu. Allez, voilà, tu lui remets. Super, tu te la redonnes. Voilà, ça joue en une touche, ça joue bien là. Ça joue bien. Allez, Kaloulou. Oh, Kaloulou, il va pouvoir donner à Fekir. Oh, Fekir. Et il va finir. 1-0 pour l'OL. On débute très très bien notre rencontre. Super. Oh là là, la récupération magnifique. Avec Kaloulou qui va pouvoir lancer Darpino. Allez, Darpino qui va pouvoir remettre dans l'axe avec Toussard! Oh, le deuxième but, deux tirs de but, c'est comme ça, c'est l'efficacité lyonnaise. Mais attention, c'est pas fini parce qu'il y a Matisse qui va décaler pour Benezé. Attention, Benezé, il va pouvoir centrer. Ouh là là, deuxième poteau, il y a du monde avec Salibur, le tacle. Et la bonne défense.
Oh, faut pas qu'il passe là. Attention, ce centre, la tête et la réduction du score. Aïe, 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 c'est pas fini. Ah, bon, c'est la mi-temps. Ouais, 3 buts. Il s'est pas passé grand-chose, mais par contre, il y a eu beaucoup de buts. Regardez un petit peu les stats. Voilà. Voilà. Très réaliste les deux équipes. Alors, c'est vrai qu'il se passe moins de choses que dans le. Enfin, je vais faire forcément des comparaisons avec l'autre match. Mais voilà, pour l'instant, on mène. Mais attention, parce qu'ils sont aussi redoutables, ces Guingampés. Donc voilà. Super l'anticipation. On est là ou pas? Oh là 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 là. Et puis derrière, ça joue en une touche. Ça joue en une touche. Oh là 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 là, Konya. Allez, Konya! Oh, dommage, la frappe, elle est contrée. Je voulais faire une frappe croisée. Attention, le centre, deuxième poteau. La reprise. Elle n'est pas cadrée, heureusement. Alors, laisse peu de solutions, un peu d'espace. Ah non, le contrôle de Gaspard. Ouais, mais il va vite se rattraper avec Diakabi. Parfait, ça. Oh non, non, non. Oh là, la parade de Grange. Bien joué. Ouais, super, ça. Super, cette récupération. Allez, allez. Faut du mouvement. Voilà, il est là, le mouvement. Et là, à la limite du hors-jeu, Konya pour le deuxième. Oh non! Enfin, pour le break, je voulais dire. Ouais, ça construit bien aussi du côté de Guingamp. Attention, parce qu'ils sont pas loin d'égaliser. Ah, il est tout seul au centre là-bas. Oh, attention, on l'a vu, la remise, elle est bien jouée. Super intervention de Grange. Oh là là, quelle intervention décisive. Et la contre-attaque peut-être. Avec Toussard, qui va pouvoir décaler sur Emans. Allez, faut y aller. Voilà, ça c'est bien fait. Allez, le bon ballon pour Yacine Fekir. Fekir, il a vu de l'autre côté. C'est parti de l'autre côté avec Kaloulou. Allez, Kaloulou. Allez, Kaloulou. Kaloulou. Ouais, le décalage. Allez, la frappe. Mais oui! Elle est magnifique cette frappe. Et ça y est, on va se libérer avec ce troisième but. Il y a pas mal de buts dans cette rencontre. Attention, ce centre, deuxième poteau, il est tout seul. Et la barre transversale, heureusement, qui vient nous sauver. Ouh là 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 là, grosse occasion. Et attention à la contre-attaque derrière. Allez, Kaloulou, faut pouvoir lui donner. Ah, oh, dommage. J'étais pas loin. Super, Aldo. Allez, allez. Oh là, il y a la contre-attaque. Là, il y a la contre-attaque, c'est parti. C'est parti. Pas de hors-jeu pour Yacine Fekir. Allez, Fekir. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est fini. C'est fini. Victoire importante en terre bretonne au stade du Roudourou. Même si normalement on aurait dû être mené 2-1 et devoir faire bah, un exploit. Mais bon, le jeu a craché. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Je triche pas. Hein. Y a pas de triche. Je vois pas du tout l'intérêt de tricher. En tout cas, on est à égalité avec Monaco. On fait un début de saison vraiment exceptionnel pour le réalisme pour l'année suivante, pour se projeter déjà. Fekir qui va passer à 63, Diakabi 62. Ça fait super plaisir. Kaloulou qui est pas loin des 68. Ouais, franchement, là, gros potentiel cette équipe. C'est dommage que je l'ai pas fait cette carrière en tout début de FIFA 16. Parce que comme ça, j'aurais pu faire au moins 5-6 saisons et voir une grosse évolution en gardant que les joueurs du centre de formation pour garder le réalisme. Voilà, donc nouveau match contre Rennes à domicile. C'est parti, let's go pour ce nouveau match en espérant enchaîner encore. Bon, allez, quatrième match de la vidéo à domicile contre Rennes avec notre équipe type, bien sûr. Et c'est parti, let's go pour les meilleurs moments. Pour l'instant, à Gerland, on est invaincu. Bon, en Ligue 1, on est invaincu tout court. On a gagné nos deux matchs. Mais je veux dire, on n'a pas pris de but pour l'instant. Donc peut-être que ça peut être une série. Bon, si ça se trouve, je vais me prendre un but dès la cinquième minute et ça sera réglé. Mais peut-être que on va tester une petite série. Pourquoi pas? Pour se donner un petit challenge. Dites-moi en commentaire vos pronostics, ce que vous me voyez finir cette saison. Sachant que bon, on va pas trop s'enflammer non plus. Hein. C'est pas parce qu'on a gagné nos deux premiers matchs, pardon. Que voilà, ce sera pas une saison facile. Attention, il va rentrer dans la surface. Charles Mbengue. Attention, Ntep! Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique, la frappe d'Ntep. Et voilà, le premier but encaissé à domicile. Il suffisait que je disais ça. Ça servait à rien en plus de dire ça sur un match, de dire qu'on allait faire une série. Bref, ça fait un zéro. On est direct cueilli à froid. On va se mettre direct en offensif. C'est parti, on est à Gerland quand même. On n'a pas le droit à l'erreur, on ne doit pas perdre, c'est parti.
Allez, Gaspard. Allez, on avance avec Kaloulou. Kaloulou, il a la rapidité, il a la vitesse. Allez, Kaloulou, il va remiser dans l'axe. Avec cette frappe enroulée. Et l'égalisation directe. Voilà, Bouchentouf. Bien joué, ça. Allez. Oh, attention. Ouais. Parce que là, ça, le match qui part n'importe comment. Attention, Ousmane Dembélé. Ah, il est trop rapide. Il est trop rapide. Oh, le retour. Le retour exceptionnel défensif. Mais attention, c'est pas fini. Ça va revenir avec Zéphane, ancien Lyonnais. La talonnade de Dembélé. Et récupération. Allez, la contre-attaque. Allez, allez. Allez, allez. On fait partir ce match n'importe comment là. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, bon ballon, pas d'hors-jeu. Avec cette frappe. Oh là là, dommage. Ah si, il était hors-jeu. On décale. Voilà, ça c'est bien fait. Allez. Allez, il est passé, pénalty, non? Oh. Ah oui, la reprise. Oh dommage, la parade de Sorin. Allez, corner. Ah non, merde. Putain, Darpino, il a un point de côté. Je sais pas ce qu'il a. Allez, allez Fekir! Oh dommage la frappe de Yacine Fekir. Ouais, super ça! Super cette récupération. Allez, juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, on peut peut-être marquer ce but. Il n'y a pas de hors-jeu. Allez, Kaloulou! Oh là là, non, non, non! Oui, si, il récupère! Allez, dans l'axe! Il y a une solution! Il n'y a pas de hors-jeu! Allez, Bouchentouf! Oh, petit filet! Dommage! Mais elle a été contrée. Allez, allez! Dernier corner juste avant la mi-temps. Allez, allez! Faut bien les tirer. Oh non! Mais il est con, Pereira. Pourquoi il s'est baissé? On joue pas au ballon prisonnier là. Oh là là, c'est la mi-temps. On s'est fait cueillir à froid et puis derrière, super réaction des joueurs et on a les occasions. Par contre, Darpino, on va pas le laisser tout le match. On va pas prendre de risque et on va faire rentrer Toussard. Parce que je sais que Toussard peut faire le poste de milieu défensif. D'ailleurs, c'est le seul qui peut combler l'absence de notre ami Darpino. Donc voilà, on est parti pour cette seconde période en espérant s'imposer. Attention, ça décale bien là d'entrée avec Grosicki. Le centre deuxième poteau, il est tout seul, Ntep. Paul-Georges Ntep. En plus, il y a du monde dans l'axe, ouais. Il a trouvé Dembélé. Ah, mais on défend bien avec Toussard. La récupération, premier ballon pour Toussard. Et déjà une contre-attaque peut-être. Avec Kaloulou, il est parti. Ah, dommage. Ouh là 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 là! Oh, il s'est totalement vautré! Ah oh ouais, mais cette récupération, ce coup de physique qu'il a fait derrière. Allez, la frappe! Ah, à raser les filets, allez, allez. Ouais, même la contre-attaque. Avec Kaloulou, il est rapide. Oh, il est parti, Kaloulou. Oh, il est inarrêtable. Ouais, super. Parfait. Parfait pour Yacine Fekir. Oh là là, quel travail d'Aldo Kaloulou. Le contrôle parfait. Et derrière, il a la lucidité pour arrêter son mouvement au bon moment, parce que bon, une fusée aussi, faut bien l'arrêter de temps en temps. Et derrière, le petit plat du pied de Yacine, 2 buts à 1, on reprend les devants, du coup on va repasser en défensive. Et oui, le pressing, super, le pressing et l'anticipation. Allez, allez, là il y a un bon coup à jouer. Ah, il est hors jeu, je crois qu'il est hors jeu. Ah, c'était bien joué, mais ouais, un peu hors jeu, Yacine Fekir. Attention Fernandez, qui est passé. Attention parce qu'il reste encore un quart d'heure dans ce match. Pas les laisser égaliser! Oh là 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 là, il s'est faufilé dans un trou de souris. Et il vient égaliser Fernandez. Ah non, c'est Jovanicio, pardon. Attention, ça décale bien. Oh, attention, ça c'est bien joué. Aïe aïe aïe, Silla et le duel. Aïe aïe aïe. Duel gagnant. Ah là 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 là, on menait 2 buts à 1 et on se fait reprendre 3-2. Ah, c'est cruel ça parce qu'ils ont vraiment pas d'occasion. Et ils sont vraiment super réalistes. Bon, on va repasser en offensif. Et va falloir vraiment essayer de ne pas perdre. Au moins arracher le nul. Ouais, ça c'est bien fait. Allez, le branlé avec Kaloulou. Kaloulou qui est parti. La frappe croisée de Kaloulou. Elle est contrée. Allez, allez. Moins de 10 minutes dans ce match. Ouais, ils sont obligés de dégager. Oh là là, ce dégagement. Ça a failli payer là. Allez, allez, allez. Tant pis, on n'a pas le temps. Il est là, le soutien. Ah, je voulais faire la passe avant. Eh ouais, je voulais la faire avant. Super. Super. Allez, Kaloulou. Kaloulou! Voilà! L'égalisation, on ne perd pas. Voilà, super, Aldo. Oh là 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 là. Putain, il s'est faufilé vraiment, hein. Parce que là, pour... Il fallait vraiment bien la placer. Parce que le gardien était vraiment bien, bien sorti, là, Sorin. Ouh, est-ce qu'on a la place dans le traditionnel d'en mettre un...
Un quatrième, non, ça serait fou. Ça serait pire que le comeback contre Nantes. On va la trouver, le poteau encore. Allez! Mais oui! Va rentrer! Il faut même s'imposer, même s'il n'y aura que 2 minutes de temps additionnel. Danzé, au centre deuxième! Et le quatrième! Le quatrième de Jovanicio! On a totalement renversé cette rencontre incroyable! 4 buts à 3! On était mené 2-0, on est revenu à 2-2. On était mené 3-2. Et on s'impose 4-3 dans la fin du temps additionnel! Allez, peut-être la dernière. Ah non, il me l'a pas laissé. Ouais. Bon, au moins, on s'en sort sans perdre. Déjà, c'est plutôt pas mal avec la CFA. Super réaliste. 3 tirs cadrés, 3 buts. Alors que nous, on a fait 10 tirs en tout avec 5 cadrés. Ouais, c'est compliqué. Aldo Kaloulou, ouais. Heureusement, 9,3 est bien précieux dans cette rencontre. Kaloulou qui va passer du coup à 68 de général. Ça fait plaise. Fekir qui est pas loin des 64. 67 aussi, pas loin pour Konya. Ouais, franchement. Il y a vraiment du potentiel dans cette équipe. Du coup, au niveau du classement, on est juste derrière Paris et Monaco qui réalisent le sans faute pour l'instant. Après, aussi, il y aura peut-être un sondage dans la description. Regardez souvent les descriptions aussi des vidéos. Parce que des fois, je glisse des petites infos. Donc voilà, joueur blessé pendant 9 jours, ça. C'est pas une grosse blessure. Un sondage pour me dire si vous préférez que cette carrière, je la fasse intégralement, c'est-à-dire que à chaque épisode, eh ben, c'est une carrière suivie, c'est-à-dire c'est à chaque fois le prochain match, ou alors qu'on se retrouve juste dans les matchs importants. Par exemple, là, il y a la Gantoise et Marseille, ben voilà, c'est les 2 matchs importants, et on se retrouve là, et puis sinon, je vous fais un résumé rapide avec tous les buts compilés, en mode compilation des autres matchs. Comme ça, vous voyez quand même le fil de la saison. Donc voilà, il y aura ce sondage dans la description et puis dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'en gros, juste avant, par exemple, je vous mets un exemple. Disons que les gros matchs, c'est Valence et Bordeaux. Et ben, avant ces matchs, il va y avoir Caen, Lille, la Gantoise, Marseille et Bastia. Et ben, par exemple, je vais tous les compiler, mettre que les buts de ces rencontres. Avec un commentary off ou peut-être une musique de fond, je sais pas. Et puis ensuite, vous retrouvez pour les meilleurs moments en direct, avec mon commentary en direct, pour les 2 matchs importants, voilà. Ou 3 matchs, hein, peut-être plusieurs matchs. Donc voilà, dites-moi si vous préférez ça, pour survoler plus rapidement cette carrière, ou alors que je suive vraiment tout. Donc pour l'instant, bah, on suit tout, vu que je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais juste faire le dernier match contre Caen. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, parce que ça m'aiderait quand même, parce que vu que, bon, j'aimerais faire quand même plusieurs saisons, ça serait intéressant. Et me parlez pas de transfert, parce que ça ne sert à rien, c'est une carrière centre de formation. Donc voilà, je suis désolé, hein, parce que bon, je sais que vous adorez ça, mais bon, centre de formation, c'est comme ça. Donc dernier match contre Caen qui débute très très mal, qui a fait 3 défaites. Donc voilà. On a Nice qui a joué 5 matchs. Ok, ça marche. Ah oui, c'est vrai, on a un blessé. Donc, on va le remplacer par Toussard. Et c'est parti. Et puis, je ferai des changements dans le match parce que c'est vrai que les derniers matchs, j'ai pas trop fait de changements. Donc, c'est parti. Let's go pour ce dernier match de l'épisode. Allez, dernier match de l'épisode contre le Stade Malherbe de Caen qui débute très très mal sa saison. Donc, c'est le moment d'en profiter parce que c'est vrai que bon, là pour l'instant, les résultats sont favorables. Attention, attention, Andy Delors! Oh là là, elle est magnifique! Putain, on se fait surprendre, ça fait 2 fois d'affilée là. Rennes et Caen. Ouais, magnifique frappe d'Andy Delors. Et dès la quatrième minute, on se fait surprendre. Ah bah là, on va passer direct en offensif. Et en espérant vite réagir. Ah, le compte favorable est derrière. Oh là là! Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, ils sont abusés ces joueurs, ils sont cheatés! Là, j'avais bien défendu en plus. Regardez-moi ça. Je vais dessus. Là, il a eu le compte favorable. Et derrière, le jeu en une touche. Magnifique frappe, pleine lucarne. Autant vous dire que c'est compliqué. Mais bon. Plus le scénario est défavorable et plus l'exploit sera important. Planté là. Allez, Konya, tu t'appliques. Allez, la tête! Oh, y a, dommage. Allez, allez. C'est pas fini ce match. Vous y croyez à la remontada? Allez, c'est parti.
super ça. Allez, allez. Allez, faut décaler comme il faut. Voilà. Allez, bouche en touffe. Allez, tu finis? Oh, le poteau, non! On n'a pas le droit! Allez, allez! Allez, allez, faut vraiment planter un but avant la mi-temps, là, au moins. Allez, la tête! Penalty! Oui, 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 penalty. Allez, allez. À gauche. Mais oui! Mais oui, Yacine, allez! La remontada, c'est parti. Aïe, 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 j'ai déconné, là. Oh là là, le compte favorable encore! Non, poteau! Ouh là 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 là, c'était chaud! Non, non, non. Oh, poteau encore? Oh là 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 là. Ah, c'est tendu. C'est tendu, on a vraiment chaud là. Et après, ouais, il n'y a pas que moi qui fais des poteaux. Ouais, mi-temps, c'est très compliqué, franchement. On vit une première période délicate. Ils ont eu pas mal d'occasions. Ils se projettent bien, ils ont la possession et tout. Ouais, ça va vraiment être compliqué pour cette seconde période. Super la récupération, Kaloulou. Allez, Kaloulou. Allez, c'est parti, Fekir. Oh, Fekir, il est éliminé. Allez, Fekir. Faut lui donner un bon ballon dans la profondeur pour Perrin. Allez, Perrin. Vas-y, mon grand. Perrin, toujours. Dans l'axe. Avec la frappe. Ah, il était dévié. Ça sera un corner. Allez. Attention, Appia. Je sens, ouais. Ça, on était là. Allez, allez. Tout de suite, la contre-attaque. Tout de suite, la contre-attaque. Avec Romain Del Castillo. Allez, allez. T'as du jus, mon grand. Ah, ouais. T'as pu t'arracher. Voilà, ça, c'est bien fait. Allez, allez. Non. Mais c'était devant. Oh, c'était pas là que je voulais la faire. Il y avait un super appel. Allez, allez. Allez, le pressing, là. Ils vont pas s'en sortir, là. Ils peuvent pas s'en sortir. Voilà, ils sont obligés de dégager. Ah ouais, mais ça, c'est abusé, ça. C'est grave. Oh non. Je défends bien, pourtant. Oh là là. Et là, il va s'enfermer. Ah, c'est abusé. Ah, c'est abusé, ce jeu. Ah, regardez-moi ça. Il joue la montre. Enculé, allez là, voilà, récupération, il y a une justice. Non! Mais c'est pas. Mais non, mais c'est pas possible ça! Et voilà, il joue la montre. Et ouais, ça dégage en touche, oh là là. Et que de l'anti-jeu là, allez! Ils vont pas arriver à tenir. Ils vont pas arriver à tenir, c'est pas possible. Ouais, ouais, je me livre, bah je suis obligé de me livrer parce que sinon il garde la balle. Ouais, ouais, Delors, il va finir. Ah ouais. Ah, c'est dégueulasse, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est sale, c'est pire que le Portugal, là. Ouais, défaite, alors que... La première mi-temps, encore, c'est logique qu'on soit mené, on s'est pris un froid, là, deux buts d'entrée, mais je peux vraiment rien faire sur les deux buts, je peux strictement rien faire sur les deux buts, c'est indéfendable, parce qu'ils ont tous les comptes favorables. Et le troisième, après, c'est, voilà, c'est, je me livre parce que, bon, le troisième, d'accord, je fais des erreurs, mais bon, je suis obligé de faire des erreurs parce que sinon, ils gardent le ballon. Donc, voilà, ils me l'ont fait à l'envers, là. Mais bon, c'est bien joué de leur part, hein. De toute façon, il leur fallait des points. Ils étaient derniers, ils n'avaient pas marqué de points depuis le début de la saison. Donc, voilà, ils jouaient leur vie. Je peux comprendre. De toute façon, cette saison va être difficile. On a eu déjà beaucoup de réussite de gagner nos premiers matchs. Donc voilà, après, bon, voilà, première défaite, c'est comme ça. On va entraîner un peu nos jeunes et puis on va faire un rapport d'équipe de fin de vidéo. Et puis on se retrouvera pour la suite. Alors, le prochain épisode, ça sera pour la suite, je pense. À moins que dans le sondage, ça dépendra de vous. Si vous préférez que j'avance moi-même, genre, il se fout de ma gueule, il a entre 30 et 40 de général, il peut aller jusqu'à 91 de potentiel. Genre, il va pas rendre 50 de général en un an, non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans, et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes, paye tous moitié prix, un enfant, une carte Kiwi, et on voyage à moitié prix. On va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. On aura fait 5 matchs. On va regarder vite fait le classement pour constater que Bordeaux est en tête à égalité avec Paris et Monaco. Ok, c'est très serré. Nice qui a un match en plus. Finalement, on est pas mal. Hein. On est pas mal. On est bien classé là pour un Noël réserve. 8e en début de saison. Franchement, je signe direct hein, si on peut finir 8e. Déjà, pour une première saison en CFA avec l'équipe de CFA, franchement, je signe parce que c'est pas forcément évident. C'est vrai que
Moi, mon objectif, vu que je vois à peu près le potentiel de mon niveau que j'ai, sans vouloir trop me vanter, moi, mon objectif, ça serait quand même atteindre une place européenne. Je pense que je peux l'envisager, même si en temps normal, avec une équipe de CFA, surtout en difficulté légende, déjà se maintenir, ça aurait été très bien. Bon, on a quand même 6 points d'avance sur la zone rouge, donc on est plutôt pas mal. Mais bon, après, on va avoir la Ligue des Champions bientôt, et on va avoir des matchs tous les 3 jours, et là, par contre, on va moins rire, ça va être plus difficile. Donc voilà, on va faire le petit rapport d'équipe de fin de vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien, ça me ferait super plaisir tout au long de cette série et tout au long des vidéos. Ça me fait super plaisir que vous restez actifs sur la chaîne en commentaire, que ce soit en commentaire ou que ce soit en pouce bleu ou en partage de vidéo, et à vous abonner aussi pour suivre les prochaines vidéos. Donc on fait le petit rapport d'équipe de fin de vidéo avec Dorian Grange qui a pris plus 1, 64 de Gérard à 19 ans, il est plutôt intéressant, hein. Franchement, il me fait des gros matchs. Gaspard aussi, plutôt pas mal. Diakabi plus 2, 62. Nguma plus 1, 67. Même si on l'a pas vu beaucoup, c'est vrai que je l'ai pas souvent titularisé. Peut-être plus souvent la prochaine fois. Emans 60 plus 1. Lucas Tossard plus 1, 63. Cognac plus 2, 67 à 17 ans. Il a vraiment un gros potentiel, lui. Pereira plus 1, 58, qui est très intéressant. Vous voyez, 3 buts et 3 passes décisives, très très décisifs dans ces matchs. Bouchentouf plus 1, 64. Kaloulou plus 2, 68, et vraiment énorme, c'est ma petite pépite. 3 buts, 6 passes décisives. Yacine Fekir plus 4, 64, 7 buts en 10 matchs. Richard plus 1, 62. Kitala plus 1, 58. Roselli plus 1, 58. Le Bongo plus 1, 59. Gaëtan Perrin plus 1, 63. Del Castillo plus 1, 61. Martela plus 1, 61. Darpino plus 2, 62. Et il est de retour de blessure. Ça va faire plaisir. Nouvelle plus 1, 62. Qui est souvent titulaire. Moufi plus 1, 59. Bendjedid plus 1, 60. Gédéon Kalulu 59 plus 1. Ratchopi plus 1, 56, Labidi 63, Paye plus 1, 57, Mbombouni plus 1, 60, Olivier Kemen plus 1, 59, et voilà, voilà pour ce petit rapport d'équipe. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner, ce débat déjà fait, pour suivre mes prochaines vidéos et actualités sur la chaîne. Et sur ce, on se retrouvera très prochainement pour un nouvel épisode, avec certainement de la Ligue des Champions, peut-être pour un Olympico, ou peut-être pour Valence, je verrai bien. De toute façon, n'hésitez pas à répondre dans le sondage pour me dire si je passe certains matchs pour que du coup on ait que 4 ou 5 épisodes par saison. Comme ça ira très vite pour enchaîner les saisons. Salut à tous!